Bien, salut tout le monde, c'était Mogwai de TM Games, bienvenue dans ce 12e épisode de Little Nightmares, les amis. Puisque aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du DLC qui est sorti. Il y avait une deuxième partie qui devait sortir en novembre, elle est sortie. J'ai mis 50 ans pour l'avoir, parce que comme d'hab, comme je vous expliquais dans un des épisodes de la première partie du DLC, le truc bug complètement, il ne reconnaît pas que j'ai acheté en fait le Season Pass. Du coup, en fait, il met toujours 50 ans pour le comprendre. Et du coup, je crois que le DLC est sorti il y a la semaine dernière, je crois. Et je peux y jouer que maintenant. Quand je dis la semaine dernière, c'est genre lundi. Hein. On est vendredi. Donc, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il est sorti. Et j'ai eu accès hier soir. J'ai enfin réussi à débloquer ça. Donc, on va le faire tout de suite. Je vous rappelle que dans la première partie du DLC, donc, on jouait Emilio. Emilio, je l'avais appelé, et qu'on avait échappé à une grosse bête sous-marine, on avait traîné un peu dans les égouts. Et voilà. Donc, on va revenir. Ouais, en fait, j'ai fait un peu de jeu, j'ai voyé que j'ai collecté toutes les. En fait, j'avais pas vu en soi, mais il fallait briser les statues et étreindre les gnomes. Du coup, en fait, c'est ce que je fais dans chaque épisode pour gagner des trophées. Et du coup, voilà, j'ai tout fini. L'histoire principale, en tout cas, je l'ai fini entièrement. J'ai tout fait. Donc là, il reste plus que le DLC. Ou le DLC, j'avais pas vu non plus, mais il va falloir bouteille récupérée. Voilà, 1 sur 5. Je n'en ai fait qu'un sur 5, donc ça, je dois le refaire. Et aujourd'hui, donc on fait la cachette. Voilà. Et donc, oui, la progression sera perdue. Voilà. Ça me fait très plaisir, encore une fois, de voir se battre. Donc, dans la fin de la première partie, on s'était fait kidnapper, je vous rappelle, par le mec aux longues mains, là, l'aveugle. Et ouais, et du coup, je sais pas. Je sais pas. Il y avait à côté de nous, il y avait Camille dans sa cage aussi, mais elle s'était échappée. Donc nous, je sais pas. On va bien voir. Là, ça commence. On s'en était plutôt pas mal sorti pour dans la première partie, donc je pense qu'on va s'en sortir dans la deuxième. Ah, on a un crochet, fuck. Enfin, j'espère qu'on va plutôt bien s'en sortir. Ah, cool. Ça va faire mal. T'es vivant, Emilio? Milio, ah, les gnomes viennent me sauver. Venez les gnomes. Il est vivant, Milio, ça. Alors, on a toujours notre lampe torche, ça c'est bien. Elle est quoi là? Carré, c'est toujours pour courir. Je regarde s'il n'y a pas de bouteille ou de trucs dans le genre du coup. Si je peux en croiser une ou plusieurs, autant le faire maintenant. Ok. On va y aller, on va suivre les gnomes. Bonjour toi. Attends, papa. Papa. Ben, il y en a, là, il y a des lanternes. On va avancer prudemment quand même. Parce que même si dans le dernier épisode il n'y avait pas de trucs qui te sautaient dessus et qui venaient te voir, on sait jamais hein, avec eux. Et toi? Viens, n'aie pas peur, putain, j'ai tous peur. De toute façon, enfin, on peut pas en étreindre hein, ici, mais bon. Ils ont peur de moi. Bon. Allez. Viens. Putain, mais il passe partout, c'est chaud. Allez, allez. Là, il y a quelque chose. Non, on s'en fout. Ok, clairement. Donc, un point de sauvegarde. On va monter là.
Voilà, et avec moi. Ah, je te fais un petit câlin. Allez, et avec moi. Ah. Vas-y. Ouais, cool, j'étais sûr qu'on allait pouvoir faire une coopération avec les gnomes. Ils sont trop gentils. Viens. Ah, excuse-moi, viens. Hus. Ah, voilà. Non, non, non. Papa. Viens. Viens. Peut passer ou pas? Il peut pas passer, attends. Viens là, viens. Viens, mon petit. Viens. Hus. Alors, viens. Voilà. Allez, viens, commande. Viens dans les bras. Hop. Tu vas venir m'aider là. T'as aidé Camille pour t'échapper, tu peux bien m'aider moi. Vas-y, lâche. Voilà, bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle? Est-ce qu'on peut monter là? Non. Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut essayer du coup? Ok, bon, tant pis. Pas grave. Alors. Oh. L'œil. L'œil. Il est là, il nous regarde, il est présent. Ok. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut pousser ça? Ouais, il m'aide à pousser aussi. Cool. D'accord. D'accord, cool. Allez, viens, mon homme. Toi, je vais t'appeler. Oh. Ah, tu veux pas, d'accord, pardon. Toi, je vais t'appeler Maxence. Allez. Ah, oh, un deuxième. Alors, par contre, comment faire pour monter? Ah, tiens, viens, viens. Si je te fais monter, toi. Vas-y, va le libérer. Ah, d'accord, cool. Ici. T'as rien. T'inquiète pas, je te veux pas de mal. Je te veux pas de mal. Voilà. Voilà. Trop d'amour. Voilà, vas-y, va l'aider. Et après, on te libère toi derrière. Donc, on a trouvé Maxence et maintenant on a trouvé Isidore. Voilà, on a trouvé Isidore, Maxence. Et donc là. Ouais, mais ta gueule, non, par contre, tu parles pas quand je joue, d'accord? Maxence Isidore et Nesrine, voilà. Maxence Isidore Nesrine. Comme ça, on est plutôt bien. Là, il y a quoi, là? Juste pour voir. Ah cool, une bouteille. Voilà. Et deux. Cool. C'était bien là qu'il fallait aller. Ça me rassure. Première bouteille, c'est good. Hop, on descend. Et voilà. Allez, venez. Venez les gens. Allez tout le monde. Viens par là, descends par là. Voilà, cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'as une idée, Isidore? Nesrine? Maxence? Non? Personne? Si on pousse cette porte, ça marche? Non. Alors, attendez. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a en dessous? Si je te prends toi, regarde. Qu'est-ce que ça fait si je te lance? Rien du tout. Si on pousse à 4. Voilà, enfin à 2. Ça va, regarde, je peux passer là. Non. Need some help, please. Come on. Thank you. Hey, Maxence, tu vas t'y mettre aussi, hein. T'arrêtes un petit peu, toi, hein, de faire ta tapette là. Allez. Hé, hey, Maxence. Avec moi. C'est bon. Hein. Arrête un petit peu là, on va s'en sortir à 3, enfin 4. Compose tous, allez. Si on se serre les coudes, on peut y arriver. Voilà. Par contre, là, il y a une porte avec l'œil. Alors, est-ce que du coup, c'est bon signe ou pas? Ah, venez. Alors là, il y a un truc là. C'est quoi ça? Oh, ok. Où est-ce qu'ils sont encore? Maxence, Isidore, Nasrine, allez. Allez, les enfants. On y va. Okay, donc là, c'est la centrale à charbon. Salut. Coucou. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que tu veux? Oh, ok. Damn. Oh, je peux aller les aider aussi. Bon, Isidore et Nesrine, ils voulaient pas. Maxence, il reste avec moi. Cool, ils m'ont fait baisser l'échelle. C'est quoi? Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait se ramener l'autre. Non, je vais voir ce qu'il y a en haut avant. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Une corde de pendu en tout cas. C'est pas vraiment rassurant. C'est quoi là? C'est quoi là? Il y a une porte qui s'ouvre. Clairement, il y a une porte qui s'ouvre. On peut pas. Là, il y a une porte aussi normalement qui doit s'ouvrir. Non. Ok, je pense qu'on reviendra plus tard. Ce sera pour après ça. Tac, ça va pas tarder à couper les amis. Donc, on se rejoint après. J'aimerais juste voir ce qu'il y a quand on monte à l'échelle. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Qu'est-ce qu'il y a là? Ce que je voulais. Oh merde, fuck, fuck, fuck. Pourquoi j'ai fait ça? Merde, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça, merde.
J'aurais dû aller à la salle là-bas. Merde, j'aurais dû aller à la salle avant de sauter. Pourquoi j'ai pas été à la salle avant de sauter? Putain. Oh, tant pis. Je referai le passage et j'irai prendre ce qu'il y a. Quoique peut-être qu'on va pouvoir directement y retourner. Hein. Non, t'es sérieux là? Là, il m'a vu là? Bon, arrête-toi. Non, je trouve pas ça logique. Je trouve pas ça logique, le mec il passe à côté de moi, ok, mais il est pas censé me voir. Et il est pas censé me sentir dans le sens. Pas sentir, mais sentir dans le sens. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, s'il a laissé ouvert la porte. Qu'il avait laissé ouvert la porte en fait. C'est le mur. Il fait exprès. Il fait exprès pour aller de l'autre côté. Ça me laisse un peu plus de liberté. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, lui, j'ai appris à le gérer de toute façon. Donc, clairement, il ne me fait plus peur. Dem. Qu'elle a pas cramé qu'il était passé dans la salle. Ouais, il a failli me choper quand même. Ce con là. Ah, j'ai compris. Attendez. C'est peut-être une idée qui germe dans ma fucking tête. Il est pas passé loin. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur quoi comme bouton? Ah oui, d'accord, je crois savoir. Je crois savoir ce que j'ai fait. Je crois savoir ce que j'ai fait. C'est bon, mec, ça sert à rien de chercher là. Tranquille. Je crois savoir ce que j'ai fait. Par contre, pour y aller, ça va être chaud. Je garantis pas que je réussisse,
Mais si je réussis. Ah, il y a un interrupteur là aussi. Ah, c'est pour ça. D'accord, en fait, j'avais pas activé l'ampoule. Oh, le bug. J'avais pas activé l'ampoule, en fait, c'est pour ça qu'il s'est pas allumé. Ah, donc on va peut-être pouvoir le figer, dans ce cas. J'ai pas aimé son coup de tête là. Elle saute. Ah, je suis trop puissant, putain. Ah, je suis trop puissant, sa mère. Oh là 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 là, trop puissant. Trop de puissance en moi. Eh bien, je vais vous laisser là, les amis. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour ce premier épisode. Oui, les rats. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vous fais à tous de gros gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, abonnez-vous à la chaîne. Juste pour ça, franchement, juste pour cette stratégie que je viens de mettre en place. Et que j'ai réussi. Franchement, les mecs, pouce bleu, moi je dis, ça fait du bien. Voilà. Je vous fais à tous de gros gros bisous. Ciao, ciao.